clair, mesdames, messieurs, en quelque sorte, pays Canada, nous qui parvient pour la paix, même Premier ministre Trudeau, mesdames, messieurs, parvient pour la paix, côté que nous avons parlé là, de façon officielle, sanction contre ancien président Michel Martelly. Sanction contre ancien premier ministre Laurent Lamothe. Sanction contre ancien premier ministre Jean-Henri Séan. Premier ministre Trudeau parvient pour la paix. Gouvernement Biden non parvient pour la paix, mesdames, messieurs. Évidemment, au-delà des sanctions, ça au cap prend là, eh bien, gain pression, gain en pile pression cap bail là. Pour évidemment pour yo capable arrêter monsieur Sayo qui gagne des sanctions. Attention. Qui ça veut dire sanction? Dans moment on a parlé là Michel Martelly, Laurent Lamothe entre autres, de monsieur Sayo c'est série de monde qui investit en pile cob aux États-Unis, en pile bien acheté aux États-Unis. Des pieds Michel Martelly cassé là. Mesdames, messieurs, bon, nous font parler avec Pradel. Évidemment, nous allons parler avec l'autre monsieur Otal également. Mais où sous Chanel Mon Affaire Bon TV, sanction tombée Pradel, depuis Saint-Marc, Bagayo, tête chaud là. Comment est-ce? Et bonjour, nous saluons tous les amis. C'est un plaisir pour nous capables d'informer. Eh bien, information depuis ce matin là. Nous pensons qu'il y a un peu de monde. Et malgré que le monde est mieux préparé, plus capable de suivre le match, mais il y a un peu de monde qui est même qui est branché. Et dans le ministère, on a parlé là. Eh bien, sanction qui a peine tombé là. Eh bien, Abdou, c'est le Canada qui sanctionnait, eh bien, Abdou, et ancien président pays d'Haïti, Michel Joseph Martelly, ensemble avec deux premiers ministres, eh bien, eux-mêmes, sanction fait tomber là, côté que Trudeau lui-même, premier ministre lui-même, et qui fait que sauter déclaration, eh bien, Abdou, c'est Laurent Lamothe, ensemble avec Jean-Henri Séan, eh bien, Montero, il y a une sanction qui est tombée sous deux, eh bien, sanction ça. L'information a été confirmée déjà par lui et Blond, qui lui-même est correspondant Radio-Canada, et qui lui-même qui t'a suivi déclaration, et pour le ministre Justin Trudeau, et qui lui-même qui t'a parlé, et bien pendant son message, qui a fait, et bien lui-même, il s'est parlé, qui est tout Miami Irad, qui lui-même est confirmé l'information. Bien sûr que nous connaissons comment la situation est limitée. Eh bien, dans l'ISLA, qui gagne un pile monde, un pile gros leader en Haïti, eh bien, gagne un non-président tout, avec sénateur, par exemple, Joseph Lambert, avec sénateur Yuri, qui eux-mêmes, qui est sous l'ISLA Canada, ensemble avec États-Unis, eh bien, et moi, ça se passe là tout, eh bien, Abdou, que Canada lui-même, qui est prêt et sanction contre Mounzaïo, eh bien, Abdou, que c'est Yota. Et critique, eh bien, je que tout le monde connaît ni, eh bien, Canada a sanctionné président Michel Martelly et puis ancien et premier ministre Laurent Lamothe et Jean-Henri Séan pour participation au financement des gangs armés. Eh bien, au niveau du pays d'Haïti, eh bien, depuis le matin là, eh bien, tout le monde a été des sanctions. Eh bien, il n'y a pas pris ça, non, il y a tout le monde qui était guetteur et a confirmé, eh bien, puis on dit, c'est X comme président, mais je vote pour Kawé qui est. Et dans les premiers ministres, eh bien, les que l'information lui-même lui à peine tombé là, eh bien, un pile monde qui, lui-même, dit, mes amis, c'est une groupe à la qui a fait, eh bien, contre tout, pendant que sanction, même, ils sont censés à tomber là, eh bien, sans que nous doulions, eh bien, et ça gagne près de quelques ministres là, Canada sanctionné ancien président haïtien Michel Joseph Martelly, ancien premier ministre Laurent Lamothe, et puis Jean-Henri Séan, mais selon le gouvernement canadien, Mounsayo participé dans financer gang en Haïti, eh bien, c'est et correspondant parlementaire pour Radio-Canada, qui c'est lui et Bouin, qui bail information ici là, eh bien, appliqué pendant. Et puis même libère information tout gré et l'autre information eh bien et qui à peine tombé là eh bien Michel Martelly, Laurent Lamothe, Jean-Henri Séan eh bien ils ont sanctionné ce jeudi dimanche 20 novembre par le Canada pour participation dans le groupe gang Amio, information qui est confirmée par ambassadeur et Canada dans le pays d'Haïti Sébastien Carrière qui lui-même qui fait ce confirmé information ça autour et bien Abdou Kiyé information, yo, eh bien, et Sébastien Carrière, qui dit, je confirme, c'est-à-dire que, il confirme ça que, et lui, et Blouin lui-même, et lui dit, eh bien, Canada sanctionné ancien président haïtien, et puis, ancien premier ministre, Laurent Lamothe, et Jean-Henri Séan, ça veut dire que je dis à la, dans le ministre que n'a parlé là, eh bien, monsieur Sayo, nous connaissons que, yo, et tout, je pense que,
et yo gagné et des matchs que remi a fait pour yo même capable et bien sûr qui était pays ça yo ou bien pour aller vivre Bahamas et bien après que et c'est et ça nous connaît que après ancien et puis actuel parlementaire yo sous sanction et bien après ministre et qui au même qui obligé parti qui était gouvernement Henri Henriat Ariel Henry, mais communauté internationale là, et bien, lui, parlé avec ancien président et puis ancien premier ministre, et bien, non, Jouka Pignot, il y a un homme d'affaires qui pourrait aller et viser tout, et bien, il y a un pile, et monsieur Sao, et bien, Nabdouke, son situation, côté que un pile monde, il y a demandé, et bien, Nabdouke, pendant que Nabdouke a parlé là tout, au niveau de communauté internationale là, il y a une grosse pression qui a baillé au niveau du gouvernement, et bien, je t'ai fait comprendre que les États-Unis avec Canada, je vous demande ensemble avec le gouvernement Ariel Henry pour arrêter nous les pays Canada avec les États-Unis, yo même yo fait sanctionné pour implication présumée dans action louche qui lie ensemble avec banditisme et puis autre criminalité. Et bien c'est l'information ça on a bloqué et bien nous pas connaît et qui ça que monsieur Ariel va faire et puisque c'est lui-même qui chef gouvernement et bien lui-même faut qu'il commence à préparer pour yo capable mettre monde ça en prison et bien c'est ça que et il dit que il gagne en pile pression qui abat les États-Unis avec Canada et bien connaît que monsieur Ariel Henry et bien dit que c'est bloc modèle au bagaille nous connaît que la partie et bien ancien président Michel Martelly qui lui-même nous connaît qu'il en pile bien dans pays ça il pas fait rien en Haïti et bien n'abdouke nous connaît et comment l'explication de l'immunité, et bien après une grosse sanction contre l'ancien sénateur Yuri Latortue, il y a une grosse sanction tout contre le président et sénat, ici bout de sénat, en parlant de Joseph Lambert, et bien il y a une sanction qui est tombée tout, et côté, et sanction qui est tombée sous l'ancien sénateur Rony Célestin, et gagné Rony et Célestin Hervé Foucan, et bien Gary Boudou, et bien nous savons que nous avons une sanction qui était tombée sur eux, et bien c'est ça que et Mélanie et Jolie qui a annoncé que le Canada lui imposait une sanction contre trois Montaïo, Rony Célestin Hervé Foucan, Gary Boudou. Et bien, c'est pas seulement Montaïo, et bien, je dis à ces saisissements, et qui te gagné, et bien, pendant que eux-mêmes, ils ont gagné. On voit encore tout les gains, et bien, premier ministre canadien lui-même, lui, pas peur, lui, campé, et bien, il dit que, et il a sanctionné M. Sayo, et bien, selon le premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui fait des cas comme ça, pendant le temps participé dans le sommet francophonie, qui a fait un pays tunisien, et bien, c'est là que lui-même, lui, essayé, bah, lui, et bien, appliqué, il y a plus de monde qui était sous l'eau, et bien, après, ancien et actuel parlementaire, qui est sous sanction, qui est un tout ministre, qui, lui-même, qui fait partie du gouvernement Henri, Ariel Henry a qui au même qui sous sanction, il y a une communauté internationale là qui peut passer et sanction tout contre ancien président et puis ancien premier ministre, et bien nous restons sur tête, et bien dans Jou Cabinho, qui est homme d'affaires qui au même qui visait dans le même cadre sanction et si là. Et bien nous avons continué dans le même cadre groupe ça, et bien nous connaissons une tête chaud, parce que matériel qui commence. Bien, tête chaud, et bien, en pile monde tout, et bien, parce que, et dans pile monde qui a dit, et bien, les clés pour bien ça, qui ça que Haïti pral joindre, et puis, je connais que, en pile, là, monsieur, ça, il n'y a pas fait rien dans le pays d'Haïti, et bien, c'est pas seulement, il est arrivé avec Canada, c'est en pile l'autre côté encore. Il n'y a pas de sanction contre l'autorité, ça, parce que nous connaissons que M. Sayo, j'ai écrasé comme le pays, et bien, nous connaissons que son situation, c'est le Canada, c'est le président et ancien président, Michel Martelly, Joël Laurent Lamotte, avec Jean-Henri Sieyès. Et bien, nous rappelons que M. Sayo, c'est-à-dire que lui-même, il est dans affaires mouches, et bien, il a fait un pile mauvais action au niveau de le pays et d'Haïti. Et bien, information, et bien, et gens que mon temps de lit, c'est pas rumeur, c'est information qui confirme, et bien, côté que le prestation contre M. Sayo. Mais c'est une petite part qui passe, il y a privé, il y a avancé, et c'est comme ça que la situation est même liée, et le Canada a sanctionné ancien premier ministre Laurent Lamotte et Jean-Henri Sieyès et ancien président Michel Joseph Martelly pour participation dans le financement gang armé. Une nouvelle qui est confirmée par l'ambassadeur et Canada dans le pays d'Haïti, Sébastien Carrier, qui lui-même qui fait qu'elle se confirme information ça. Mesdames, messieurs, donc c'est sûr et certain, bon, qu'on y a là, il faut nous aller plus en profondeur. Question. Et projet que Michel Martelly te gagne pour lui t'a présenté dans la prochaine élection, bagay ça coupé. Pas de possibilité pour Michel Martelly t'a présenté dans la prochaine élection.
pas de possibilité pour Jean-Henri Seyan de présenter la prochaine élection. Puis bon côté Laurent Lamotte, bon, lui-même, il était entendu ça depuis longtemps dans le live. Il était toujours dit ça va t'intéresser de présenter l'élection. Bon, ça, c'est résoudre. Mais si nous allons plus en profondeur, Michel Martelly, c'est pas de bien. Michel Martelly, c'est pas de bien qu'il gagne aux États-Unis, mesdames, messieurs. Ça fait nous mal. Parce que hier, dans l'émission que nous avons fait, nous avons expliqué qu'il valait bien que monsieur Sao gagne en République Dominicaine. Eh bien, aux États-Unis, Michel Martelly gagne pile bien. Laurent Lamotte gagne pile bien. Pour Jean-Rissé, je ne vais pas trop prononcer. Même qu'on est que Michel Martelly avec Laurent Lamotte. De Monsieur Sao possède en pile bagaille et aux États. Mais n'empêche, mesdames, messieurs, je pense que c'est le meilleur moment. Nous toujours dit que c'est des jeunes garçons, c'est le meilleur moment pour série des étudiants prendre place. Faut que nous capables de prendre place nous dans le futur pays. Mais là, le bagaille qui est important, ce n'est pas simplement à Haïti et Pradel. Faut nous dire que c'est domaine de pression tout pour commencer à saisir bien Monsieur Sao également et Pradel. On nous aller sous ça. Oui, d'abord que c'est pas seulement Haïti, même au niveau de Saint-Domingue, et bien nous connaissons les Dominicains, je ne dis pas qui a fait, et nous passer en pile, et nous là, et d'abord que il y a un sac château qui pleut. Et bien, nous dit que même au niveau de Saint-Domingue, et bien, il y a un M. Sao qui est capable d'aller, soit, et pour nous penser que il peut aller et construire, ou bien il peut aller acheter contre eux-mêmes, et Dominique eux-mêmes qui préparent directement pour eux-mêmes, ils sont capables et saisir bien ça, et bien abdouke, et bon, à part de la tortue qui plus ou moins qui défend le bas, et bien l'argent que l'humanité est prêté dans là, mais d'après ça que lui, et bien abdou, au niveau de l'autre monsieur, qui n'a pas dit rien de business qui fait, monsieur plus chita, et bien au niveau des pays blancs, c'est là que vous-même a fait, surtout le la mode pour les clients, pile l'argent en main, qui gagote. Et l'argent pays. Et bien Abdou gagne tout, les mêmes quatre sanctions qui prévoyons, gagne, et nous rappelons, nous savons que c'est un combat qui a fait gros, mais au niveau du pays, et bien c'est sous affaire et boule et caille que M. Rouni Célestin lui-même lui gagné, et bien au niveau des États-Unis, et bien nous connaissons les sanctions Canada et puis contre Rouni Célestin, Yovin Avili Biro qui est élu LCCA, et nous pensons que quitter Ron en 2021 en Casimini. Il y a un rapport qui est favorable avec le sénateur sur scandale à ça et villa et qu'il y a pour 4 millions et 25 millions de dollars. Et c'est ça que j'ai dit, Jean-Samuel Madissier, qui a déclaré que l'ULCC renforce les corruptions au lieu que pour lutter contre ça. Et bien, nous pensons que je dis à tout, il faut avoir une enquête sous et nous qui est directeur général ULCCA, nous rappelons que villa de 4,25 millions de dollars. Et puis, on a l'autre maison que M. Lienvi a acheté pour 800 millions de dollars et 800 000 cash en 2018 par ancien sénateur Rouni Célestin et puis Madame Ni au Canada. Et bien, il a saisi par le gouvernement canadien et bien, compte bancaire, il a également gelé et bien, famille sénateur, il a dans tout le monde dans le pays Canada. Et bien, parce que ce n'est pas seul nous-mêmes qui avons un problème non Haïti. Et bien, nous avons une famille Rouni Célestin, il a dans gros tout le monde. Parce que c'est dans le luxe à vivre, et bien, il y a une bourgogne, il y a toute vie, bagaille qui par bon, et bien, si elle fait tout, et bien, faut que tu as essayé et maintenant en fait. On nous parle tout vite, regardez, on nous parle tout vite. Attendez. Kounia là, mesdames, messieurs, moi, grand pile monde qui écrit résolution 2645 là. Pas oublier actuellement, dans le moment où on a parlé là, qui est-ce qui a présidé, qui est-ce qui est en tête et Nations Unies là, c'est la Chine, pour ne pas dire la Russie, c'est Monsieur Sao qui a baillé les États-Unis pression, qui a baillé Canada pression pour gagner une action qui tombe. Ok, pour gagner des sanctions qui tombent. Ça, c'est le premier bagaille. Deuxième qui va bagaille, nous disons que Michel Martelly, Laurent Lamotte, pour ne pas dire Jean Risséan, entre autres, M. Sao possédait en pile, bien aux États-Unis. Floride, l'enfrem. En Floride, M. Sao, c'est pas des cailles. N'a pas parlé de ancien sénateur Sao, mais président Martelly, monsieur grand pile car aux États-Unis, kounya là sanction Sao, est-ce que sanction également pour aller déporter Michel Martelly? Est-ce que sanction Sao pour aller plus loin Pradel pour tout déporter Laurent Lamotte? Est-ce que justement monsieur Sao pour aller prendre direction Haïti? Qui ça pour aller passer? Parce que là pendant m'a parlé avec nous là Michel Martelly, son monde qui déjà rentré dans l'âge. Monsieur Gédard, tout fond, qui se cardiaque là. Michel Martelly, qui n'a pas levé matin là. Mesdames, messieurs, c'est sérieux.
jodi a la, sa yo rele sa le kama. Jojo, commencez jwenn justice li. Pradel, résolution 2646, oui, nous mandel, et c'est tout le temps nous devant bureau des Nations Unies, c'est tout le temps nous devant bureau premier ministre, côté que peuple haïtien pas capable bon corps. Peuple, qu'on y a là, nous même nous pas content, non? Là me dit nous pas content, c'est parce que pourquoi grand rien fait là. Mes amis, il y a quelques monde parler avec eux avant nous entrer en ordre. Pour même qui a demandé pour oligayo, restez tranquille. Il a privé sous yo. Pour même qui a demandé pour oligayo, restez tranquille, il a privé sous yo. Oui Pradel. Selon information qui a peine tombé dans le ministre que n'a parlé là dit mais nous pensons que Mlangé l'a attendu nous et bien selon information nous fait que jeune là Canada a annoncé l'autre sanction dans jour cap venir et puis Nations Unies a préparé une grande liste qui a rendre mondial et bien application sanction contre haïtien viséo ça dit que et toutes les sites même si à Bahamas n'importe qui côté nous va saisir tout bien ou bien dans le monde de tout pour nous selon information qui a peine tombé là et bien le Canada a annoncé l'autre sanction dans jour cap vinyo et puis Nations Unies pour préparer une grande liste qui a rendre mondial l'application pour sanction contre les haïtiens visés ça dit que monsieur là c'est Haïti que vous venez de groupe sur qui a baillé tout pour que gouvernement ça lui même dit censé arrêter nous dit que je dis à là comme bien prison pénitentiaire et bien supposé à commencer préparer place pour nous mettre parce que et bah là pour venir tourner mondialement c'est pas seulement Canada avec États-Unis seulement que monsieur même du cas des problèmes et bien sûr on bagaille mondialement qu'on a ces Nations Unies qui est prêt à le prendre pour capable préparer cela et bien pendant que l'autre pays eux même yo à Canada avec États-Unis eux même yo censé à préparer et bien gagner les Nations Unies qui prend bien pour chuter dans jusqu'à milieu et bien pour préparer cela et bien prêt à venir mondialement ça dit que tout côté on peut passer Bahamas n'importe qui pays Cuba n'importe côté et bien on prend nommé sur ça et bien si on vient yo prêt prendre local Julie Croix et bien si Haïti veut venir et bien qui côté c'est prison et parce que gagner groupe et pression qui a bas là nous connaît que pour le ministre lui-même Ariel Henry depuis Blainville à gauche de l'île à droite et bien c'est là que et bien Haïti lui-même des grands pile monde qui dit que les amis faut ça commencer c'est prison parce que je dis à la qui ça qui gagne dans la corruption en Haïti et je dis ça parce que sur une intervention et professeur Tabou et bien que Haïti pas de corruption oui parce que les gens sont à l'aise en guide bien dit que entre plein coup monde c'est n'importe qui bagaille n'importe qui ça pour qui ça parce que on connaît que il pas rien qui et préparé. Et bien, la boucle, c'est mes journées, je dis, pas de bagages comme ça. Et bien, c'est prison et que même yo est prêt à aller parce que, et les que mon, par exemple, pour mon qui crase l'argent plutôt au Caribe, mon qui font pile bagages, surtout, dans le gouvernement, et c'est calé qui se passe là, et bien, mes amis, c'est, et là, qui vient plus corruption, tant qu'on est une sanction à l'aise, parce que nous connaissons que, au niveau de Haïti, on garde pour nous un bureau qui est le ULCC qui t'a supposé à défendre et l'État, ou bien les que mon en fait action. Et bien, donc, monsieur, même, il n'y a pas besoin qu'on a fort, et puis, il y a une courbe là, et puis, il y a un blanc sur mon âge, et je dis à, même la situation que nous y est là, même si que nous, les bikes, mais nous, chanter et écraser comme nous, et bien, nous, les responsables, et bien, nous, c'est nous, pas un problème, nous, pas un chou, parce que je dis à, après, le monde vient comprendre, et bien, si ça, qui vient dans le pays, c'est corruption, c'est blanchiment d'argent. On met pour nous un monde qui parle rien au grand matin pour garder où que monna il charge avec un pile bien en pile l'argent et puis peuple là lui dans souffrance peuple là lui même dans misère et bien Sodia et bien nous donc et bien c'est ça qui est censé après là et bien n'a pas continué le même cadre information et bien intervention militaire gouvernement premier ministre Ariel Henry demandé communauté internationale là pour capable résoudre problème de sécurité à plusieurs citoyens dans divers secteurs qui bat au pignon, et bien, notre cadre, nous contre trois qui est à l'insecte, et bien, puis, nous dit que mes amis, et je me dis, et bien, on ne pas chita sous les affaires, et les affaires sanitaires, et causer, et pour que les militaires viennent, et bien, on ne chita sous ça pour nous couvrir, pour exemple, pour nous lutter, et gouverner, et voler, et l'argent, et bien, c'est pour ça que, en pile, citoyens humains, nous sommes après les. N'a pas continué, n'a pas donc nous connaît, et notre chaque fait, puis après,
avec Haïtien et groupe dominicain, bien plus Alphonse Jean qui interroge le souci dans l'État haïtien, parce que nous pas sentir présent sur l'État haïtien et dans le même cadre dossier ça. Nous avons pu aller directement de Nabdou Djimé, Jean que nous avons dit, est-ce que c'est pas justice pour le président Jovenel Moïse? Eh bien, et dans plus de monde encore, et nous pensons que le gouvernement se passe, et bien, nous-mêmes, c'est Et nous connaissons que les au niveau de communauté internationale là, il faut information libre.